bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui sur le domaine du Forieux. C'est un carpodrome dont j'ai repris la gérance il y a quelques semaines. C'est un cadre super sympa, il y a environ 3,50 m, 4 m d'eau à peu près partout sur l'étang. Donc là, on a une pause déjeuner là, de 2-3 heures. On va essayer de faire une petite pêche et de faire un max de poissons et mettre en pratique tout ce qu'on a pu voir dans les astuces ultérieures. Alors, on va commencer la pêche assez court, à 4 bouts. On a vite 3 mètres de fond, là, même à 4 bouts. On est sur une berge où ça descend bien à pic. Alors, pour cette pêche-là, on va utiliser ce kit-là. Alors, on a un élastique Matrix de 2,5. En nylon, c'est du 20 centièmes en power micron. On est sur un hameçon Carp Rigger en 14. Et là, aujourd'hui, on n'a pas trop de vent. On est en 0,40 sur le flotteur. Voilà pour le premier kit. Alors, si on a besoin de monter un peu, là, on va passer sur une pêche à entre 8 et 10 mètres. Là, on va vite passer à 3,50 m, 4 mètres d'eau. Là, toujours pareil. Alors, on descend un petit peu en diamètre d'élastique. Là, on est sur du 2,4, toujours chez Matrix. Un power micron en nylon en 18 centièmes. Et toujours pareil, hein, ça va être une pêche essentiellement au maïs. Donc, on reste en 14 sur les hameçons en carp rigger. Et troisième kit, on essaiera de rester sur la même distance. Normalement, il n'y aura pas besoin de monter trop pour toucher du poisson. Donc on fera un coup en décalé, toujours à 8-10 mètres, mais en décalé. Et là, c'est exactement la même ligne. Même flotteur, même élastique, même nylon, power micron en 18 et un hameçon de 14. Au niveau des zèches et de l'amorçage. Alors on est sur une pêche rapide, on va vraiment aller à l'essentiel, rester sur des choses simples. Au niveau de l'amorçage, je vais utiliser du pelé extrudé en 4 mm, vu qu'il y a pas mal de fond, on va pas prendre trop petit, il faut que ça descende assez vite et rester précis sur le coup. Donc on va juste l'humidifier un petit peu. Et je vais ajouter un petit peu d'activator, si elle champion feed. Ça fait pas mal travailler, ça crée une effervescence même sur les pelés. Et on brasse le tout. Alors le but de le mouiller, c'est sur l'extrudé, sur du 4 mm, ça va être vraiment de l'alourdir un petit peu. Il va couler beaucoup plus vite et d'y ajouter l'activator, ce champion feed, ça va créer une effervescence, ça va pétiller et créer une vraie activité sur le coup. Alors voilà pour l'amorçage. Au niveau des zèches, c'est pareil, on va rester super simple, basique, on va aller à l'essentiel, je vais utiliser du pelé, normalement du maïs, pardon. Normalement, la pêche, ça va se passer essentiellement au maïs. Et j'ai préparé un petit peu d'extrudé en 7 mm. Donc pareil, bien faire tremper. Le but, c'est qu'ils deviennent assez mous pour qu'on puisse directement les zécher sur l'hameçon. Alors, on va voir la partie sondage. Donc comme on a pu le voir sur les précédentes vidéos dans nos astuces, on va pêcher vraiment propre, essayer de pêcher à rasette, vraiment à ras du fond, avec un flotteur bien plombé. Alors on va sonder notre premier coup dans le bord à 4 bouts. Alors là on a un petit peu de trop. On a 5 ou 6 cm en trop. On va rectifier. On a encore un petit peu trop, 1 ou 2 cm en trop. Et là, on devrait être pas mal. Voilà, là, on est nickel. Vraiment juste posé sur le fond et l'antenne du flotteur à fleur d'eau.
Donc voilà, après, même procédé pour les deux autres kits. On va sonder de la même façon, essayer de vraiment pêcher juste posé sur le fond à rasette. Ça va nous permettre de détecter les toutes petites touches et vraiment pouvoir piquer à la moindre touche. Voilà, l'amorçage est prêt, les âches sont prêtes, on a sondé, on va pouvoir débuter notre pêche. Alors on va mettre une coupelle de bienvenue au départ, une coupelle de taille moyenne. Et puis si le poisson rentre bien, on agrainera tout doucement à la coupelle de sillon, quitte à mettre deux coupelles sur le kit pour leur descendre un peu à manger. On va procéder comme ça pour commencer. On va leur mettre deux bonnes poignées de pelée et quelques grains de maïs au-dessus. Alors au niveau de l'amorçage, on va rester prudent sur les quantités quand même. Là on est mi-avril, les eaux commencent tout juste à se réchauffer. Alors ici on a pas mal d'eau, il y a 4 mètres d'eau, donc il faut déjà que ça cogne un petit peu pour que ça réchauffe comme il faut. Alors, on va éviter de gaver le poisson, il commence seulement à bouger et à se nourrir correctement, on va dire. Donc on a mis une coupelle taille moyenne de bienvenue pour faire rentrer le poisson, dire de marquer le coup en début de pêche. Mais au fur et à mesure de la pêche, on va agrainer tout doucement au besoin à la coupelle de sillon. C'est plus sage pour cette période de l'année. Voilà, on va commencer la pêche. Donc, comme prévu, on démarre à 4 bouts. Et on a tout de suite les premières petites touches. Alors ce que je conseille quand on pêche dans beaucoup d'eau comme ça, c'est de placer sa ligne et de laisser son flotteur avec une vingtaine de centimètres de fil au-dessus. Et laisser la ligne se placer comme il faut verticalement. Voilà, donc là on voit que la ligne est placée. Seulement après descendre son flotteur. Ça évite que le fil fasse une boucle autour du flotteur et de faire des emmêlages avant que le flotteur soit planté, quoi. Alors niveau plombage, c'est pareil, hein. On est resté sur quelque chose de basique, un petit plombage groupé. Une quarantaine de centimètres de l'hameçon. Le but c'est que la proie descende le plus vite possible au fond. Et un petit plomb de touche entre 15 et 20 cm au-dessus de l'hameçon. Alors toujours à pas oublier, pareil, pour déclencher des touches, pas hésiter à faire des petits aguichages. Décoller le flotteur de l'eau, sortir la quille complète de l'eau et reposer sur le flotteur, ça crée une activité sur le coup et ça peut souvent déclencher des touches. Voilà, premier poisson, et un petit moment à déclencher des vraies touches. On commence à avoir des touches assez régulières, le poisson commence à rentrer sur le bord. They don't feel like working. Overthinking, I don't mean to let the pain and hurting. I was main stage with Tiny at a festival. Reality's a fuck. Just less than 24 hours pass and I'm back to working. Voilà, on a eu un peu de mal à rentrer le poisson sur notre coup à 4 bouts. On commence à avoir quelques touches. On va voir si ça se maintient. Et si pas, on rajoutera un ou deux bouts et on passera à 8 ou 10 mètres. Le poisson est dur à piquer. On va essayer de trier un peu les touches et vraiment ferrer sur les belles coulées. Voilà. Je suis obligé de demander. I'm staying late.
L'avantage de ce genre de plan d'eau, quand on pêche dans beaucoup d'eau, c'est que même un poisson de 2000 points, il peut nous donner du fil à retordre. Une belle petite boule. Essayez de ne pas perdre de temps. Vite aller remettre deux petites coupelles de sillon sur le cou. Apparemment, c'est ça qui marche. Ça descend très peu, mais souvent. Alors toujours pareil, petit rappel, on avait déjà vu dans les astuces Carpodrome, quand un poisson qui tire un peu dessus sur des beaux poissons ou sur des poissons harponnés, bien travailler son poisson canne basse. Donc vraiment le sillon en fleur d'eau. Ce qui permet de bien casser l'angle, ça fait faire demi-tour au poisson plus facilement. Voilà, le poisson revient bien. On va commencer à essayer de le faire monter. Voilà, un petit poisson de 1500 points. On la met vite à la bourriche et on va essayer d'en faire d'autres sur le coup. On a beaucoup de touches là, mais pas mal de ferrage dans le vide. Je pense qu'il y a beaucoup de petits poissons sur le coup. Ça vaut peut-être le coup qu'on essaye de... Voilà, la preuve. Ça vaut peut-être le coup qu'on essaye d'aller pêcher un peu plus loin. Essayer d'aller toucher des plus beaux poissons à 10 mètres. On va faire une dernière passe. Bon, alors là, effectivement, on a énormément de ferrage dans le vide. Je pense qu'on doit avoir des gros gardons. On en a fait un ou deux tout à l'heure. Je pense qu'il y a pas mal de petits poissons sur le coup. On va essayer de monter à 10 mètres et voir s'il n'y a pas moyen de toucher du plus beau poisson, avoir des touches un peu plus franches. Alors, on va sonder notre cou à 10 mètres. Toujours pareil, un même procédé, on va essayer de vraiment pêcher propre. Là, pas juste poser sur le fond. Là, il nous en manque un peu. Il manque 2 ou 3 cm. Il ne faut pas être mauvais, là. On est juste un petit peu juste. Allez, il nous manque un centimètre. Ah, et là, on devait être nickel. Voilà, on est parfait là. Juste poser sur le fond. On va y aller. Alors, on va rester sur le maïs à l'hameçon. Ça répondait plutôt pas mal. Et là, on va essayer de démarrer juste en agrénant un petit peu une micro-coupelle de maïs et une micro-coupelle de pelée. C'est parti. Toujours pareil, hein. On laisse bien sa ligne couler. Et voilà, là on voit que la ligne tire verticalement sur le flotteur. On peut venir poser son flotteur. Première petite touche. Thank you.
par déduction, voilà, on a pu se rendre compte qu'en descendant un petit peu de maïs et en allongeant un petit peu la distance de pêche, bon, on arrive à avoir des touches beaucoup plus franches et à toucher du poisson beaucoup mieux calibré. Voilà, là, l'heure tourne, notre pause déjeuner va pas tarder à se terminer. Il nous reste quelques minutes de pêche, on va essayer de retoucher un ou deux poissons pour clôturer cette petite session. Et voilà, petite pêche de quelques heures, donc exclusivement maïs, on a commencé court à 4 bouts, pas mal été embêté par les gardons, on a fait quelques beaux gardons, on est monté à 10 mètres, et là on a réussi à avoir quelques touches franches, vous avez pu voir dans le petit live pour ceux qui étaient présents. Donc voilà, là en 2-3 heures de pêche, on a entre 20 et 25 000 de carpes, petite pêche rapide, bien sympathique. Voilà, on va vite aller les remettre à l'eau. Les clients commencent à arriver. C'est fin de la pause. À bientôt.